Beaucoup changé ici. Oui, avant j'habitais ici à Quai de la Gare. Qu'est-ce qui vous plaît ici? C'est un quartier qui a son propre âme parce que comparé à les Paris haussmanniens ici, ça montre la créativité et l'audace des gens. Et des architectes aussi? Oui, des architectes. Ce bâtiment, il est très très blanc. Ouais. Ça donne pas une petite envie de faire un petit graffiti? Peut-être plutôt sur la Bibliothèque nationale de France, parce que j'aime bien peindre sur des verres. Ah, oui. Ah ben ça, je suis pas sûre qu'il serait d'accord. On va aller visiter ensemble un temple de l'art contemporain, un écrin. Et c'est incroyable parce que cet écrin, qui se trouve en face de nous, il a été construit sur cette place. Basquiat, c'est un signe. Jean-Michel Basquiat, vous l'avez connu? Je l'ai déjà vu à New York, quand j'habitais à New York, oui. Il m'a beaucoup inspiré. On est à côté aussi d'un endroit qui s'appelle la Station F. C'est le plus grand campus de start-up en France. C'est les gens qui travaillent que je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est ça. Bon, vous, votre truc, c'est plutôt la couleur. La peinture, c'est... Mais je fais des gens rêver, c'est ça. Il faut rêver, spécialement aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Les gens, ils ont peur. Il faut rêver. Bonjour, John Wan. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous avez été l'un des pionniers du mouvement graffiti à New York dans les années 80. Aujourd'hui, vous vivez en France. Vous êtes l'un des artistes les plus cotés de l'art contemporain. Vous allez bien sûr nous expliquer comment vous êtes passé du métro de New York aux toiles à Paris. Mais avant, on va visiter ensemble la FAB qui nous attend. Oui, on y va. Ok. La FAB, c'est la toute dernière initiative de l'icône de la mode française, Agnès B. Une fabrique culturelle et solidaire où l'éternelle mécène, amoureuse d'art contemporain, va pouvoir exposer au fil du temps sa collection éclectique riche de quelques 5000 œuvres. L'exposition inaugurale en dévoile 150. Des Basquiat, Warhol, Kissaring, mais aussi des photos des peintres et des installations de jeunes artistes. Donc là, je me suis amusée à faire une symétrie de... chronologique entre Paris et New York dans les années 80-84. Donc moi, j'ai ouvert la galerie avec les Ripoulin. Alors eux, je les ai connus dans le métro où ils mettaient leurs panneaux 4x3 sur les affiches publicitaires. Et au même moment à New York, il y avait Kissaring, là, qui est en train de s'effacer, mais je trouve ça... c'était au feutre, le plastique, donc ça s'efface. Et puis Basquiat et Warhol. Pour cette exposition inaugurale, vous avez choisi 150 œuvres parmi pas votre... 120 sur 5000. Sur 5000, mais comment est-ce que vous avez choisi? L'Hardiesse. Alors l'Hardiesse, c'est le titre de l'exposition. C'est le titre de l'exposition. Pourquoi? Parce que j'aime l'Hardiesse. L'Hardiesse, ça veut dire qu'on y va même si on n'est pas sûr. Et on y va quand même. Et les artistes qui osent, ils sont exactement dans ce cas-là. Et je me rends compte que beaucoup d'artistes de ma collection sont comme ça. Bah, vous êtes aussi une hardie, hein? Peut-être. Ah, bah, c'est sûr. Moi, je dis toujours qu'on s'expose en exposant, alors voilà. Alors Agnès, elle a pris un parti pris qui est de vraiment mélanger des gens très cotés et des gens plus émergents. Qu'est-ce que vous en pensez, ce mélange? Agnès, c'est ça qui donne la particularité. Agnès, ce n'est pas une spéculatrice des gens qui achètent que les œuvres parce que ça va vouloir quelque chose. Elle a une œuvre parce qu'elle aime l'artiste et ça le parle. Et c'est ça qui donne la richesse à sa collection. Ouais. Donc Agnès, c'est l'une des premières à avoir cru en vous. Oui, c'est ma première mécène à Paris. J'avais exposé cette pièce à la Galerie du Jour, comme ça, avec Madeleine Berkemer, qui devait avoir 26 ans, 28 ans. D'accord.
Et là, elle vient de mourir d'un cancer à 46 ans. Ah oui. Et j'ai vraiment voulu remettre cette œuvre où elle parle des tiraillements que vivent les femmes. Ah oui, toutes ces toiles enchevêtrées. C'est que des collants. C'est fou. C'est fait que des collants. Et on doit la parfumer. Donc, je suis venue la parfumer tout à l'heure. Parce qu'elle mettait son parfum dedans, Madeleine. Je m'amuse bien. Hein. Ouais. Parce que l'accrochage, je l'ai fait vraiment à ma manière. Et puis, j'aime bien qu'il y ait du sens, qu'il y ait quelque chose qui vous amène d'une œuvre à l'autre, qu'il y ait un fil. Donc, vous vous êtes raconté une histoire en faisant la scénographie du lieu. À chaque fois, lieu. Toujours. Ouais. Même quand je décide des vêtements, je me raconte des histoires. On dirait qu'on serait. Et si jamais on était. C'est toujours comme ça que je fais mes collections, ouais. En présence. John, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette toile? Ah oui, c'était une performance que j'ai fait sur l'abbé Pierre. Quand je vois cette toile-là, ça me fait penser à les contrastes des gens riches et des gens qui vivent dans la rue. Parce que c'est une œuvre avec beaucoup de couleurs et en même temps, c'est très brut. Donc on peut toucher. Oh, oui, la peinture, j'aime bien toucher. C'est un de mes rêves aussi, c'est de faire des œuvres pour des gens qui ne voient pas. Nous sommes ici à la Fondation Abbé Pierre, dont vous êtes le parrain depuis 2011. J'imagine que ce n'est pas un hasard que vous ayez décidé de vous investir dans une fondation qui lutte contre le mal logement, contre l'exclusion. Ça fait écho à votre propre histoire? C'est vrai, ça fait écho. Mais ça me rappelle parce que je viens de la rue. Mon école, c'était la rue. Et je suis très sensible à ce qui se passe autour de moi quand je sors dehors de chez moi. À l'aube de vos 18 ans, vous découvrez le graffiti. Vous taguez votre nom sur et dans les rames de la ligne A du métro. Ça pourrait s'apparenter à du vandalisme, mais très vite, votre signature est reconnue. Vous formez alors le collectif 156 All Stars. De quoi s'agit-il? Je ne voyais pas mon travail comme des vandalismes. Je voyais ça plutôt comme l'art libre. Je donnais à cette ville-là une dynamique. 156, c'était genre un collectif des artistes comme moi qui venaient un peu dans le même milieu, mais dans les autres arrondissements de New York. Ils nous ont mis ensemble pour rendre New York plus beau. Et pour être plus fort, peut-être. Oui. À l'époque, vous vous appelez John 156. À partir de quand vous êtes devenu John One et que signifie ce pseudo? John One, c'est l'égocentrique de moi-même. C'est tout passe autour de moi. C'est One, c'est John One. Il n'y a rien d'autre qui compte, mais moi et la peinture. Dans toute carrière, il y a des rencontres déterminantes. Vous, il y a un homme qui a compté, un artiste du Bronx, qui s'appelle A1. Oui. À un moment où vous n'êtes pas tellement en phase avec ce que l'Amérique peut vous offrir, lui va vous ouvrir de nouveaux horizons. De quelle manière? Racontez-nous. Parce que déjà, il partait beaucoup ici, en Europe. Et ça m'a donné la curiosité de découvrir des choses dehors de mon confort, dehors de New York. Ça m'a fait voyager. Et ses œuvres, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ça me faisait voyager. Et ça m'a ouvert mon esprit à pas simplement à apprécier le street art, mais à apprécier tous différents types de gens de la peinture. Vous êtes un amoureux de Paris. Vous habitez ici depuis 1987. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment s'est passé ce coup de foudre avec la capitale française? Oui, je suis venu en 87. Et c'était au moment que le hip-hop français était en course d'être né. Je suis venu à le bon moment. Il y avait un lieu magique qui s'appelait Stalingrad, dans le 18e. Et tout le monde s'est retrouvé là-bas pour faire des graphes dans le terrain vague et aussi pour écouter la musique et échanger des idées. Et rêver d'un monde de demain à Paris. C'est à Paris que vous avez commencé à peindre sur des toiles. Évidemment, c'est très différent de peindre sur une toile. On perd le côté éphémère. Mais quel a été le déclic, le déclencheur pour vous? Le déclencheur, c'était différentes choses. Par exemple, moi, je voudrais que
mon travail, ça peut durer, ça peut rester avec le temps. Parce que quand tu peintes dehors, les gens ils peintent dessus, et ça, c'est un travail éphémère. Et je voudrais que mon travail puisse être apprécié pour les autres générations. Égalité, égalité. Fraternité, fraternité. Vous multipliez les collaborations, Guerlain, Air France, Hennessy, pour ne citer que ces grandes marques, qui vous sollicitent pour customiser leurs produits. Alors, c'est vrai que c'est commercial. Est-ce qu'on ne prend pas un risque, je vous pose la question très directement, de perdre son âme d'artiste quand on fait ça? Non, parce que pour mon travail moi-même, je vois que je pense que c'est une manière de communication. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un contexte du monde de l'art classique qu'il y a, on va dire, il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça a évolué et c'est donnant. So, c'est une collaboration. C'est une façon aussi de se faire connaître différemment, d'échanger. Oui. Aujourd'hui, avec l'Internet et avec toutes les fois ce qui se passe dans le monde entier, toutes les opportunités qui existent avec les Instagram, les Facebook, un artiste il doit évoluer avec son temps. Il ne pas rester dans un truc cliché de l'artiste dans Montmartre avec une baguette et un... Barrett. Ça vous dirait bien. Est-ce que vous continuez aujourd'hui à graffer dans les rues ou c'est terminé cette époque-là? Non, mais pas vraiment, non, pas vraiment. Je ne peux pas dire que je suis active comme certains autres artistes, mais je fais des choses de temps en temps. Dans son Paris des Arts, John Wan nous emmène à la rencontre de la comédienne et réalisatrice Marianne Chazelle. Elle a débuté sa carrière et conquis le public sur les planches du théâtre du Splendide. Les rôles de Gigi et de Zézette, adaptés au cinéma dans Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure, en ont fait une star. Aujourd'hui, elle surfe entre la comédie et le drame, au théâtre et sur petit écran. C'est vrai que votre œil a tout de suite accroché sur le travail de John. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez lui? Qu'est-ce qui vous séduit le plus dans son travail? Moi, ce qui m'a arrêtée, la première fois où j'ai vu ses toiles, je ne le connaissais pas, c'était l'énergie. Et j'ai senti une espèce de force très animale, parce que j'ai un petit peu de mal avec le conceptuel. Vous voyez, ce n'est pas trop mon univers. Et puis, je suis tombée sur ça. C'est comme une vague, quelque chose qui touche pas au niveau du cerveau, mais au niveau du cœur, au niveau du corps. Et puis après, quand j'ai eu la chance de le voir travailler, puisqu'il m'a emmené dans son atelier et je l'ai vu, j'ai vu que c'était un espèce de corps à corps, quelqu'un qui... C'était pas de la bagarre, mais il y avait quand même un petit fond de lutte, hein, entre sa toile par terre, les pinceaux, les seaux, puis sa concentration, et puis les couleurs. Alors c'est vrai qu'il a une façon... Vous l'avez dit, animal, sensuel, de peindre, c'est très physique. Vous, quand vous jouez d'abord avec votre ventre ou votre tête? Je joue avec mes pieds, je trouve les chaussures du personnage. Et puis quand j'ai les chaussures, ça y est, je commence à fonctionner. C'est pas... Alors bon, évidemment, on fait des analyses de texte, on parle sur beaucoup des motivations des personnages, on parle beaucoup de la psychologie. Mais ça, c'est au niveau du discours. Après, le jeu de l'acteur, c'est qu'il faut incarner. Et là où l'acteur est très convaincant, c'est quand il incarne totalement et qu'il met devant un personnage qui n'est pas lui du tout et auquel on croit, alors que c'est une fiction. J'ai un amant, je suis amoureuse. La nuit, je pense à lui et je dors heureuse. Ah la vache! Alors John, il observe beaucoup aussi, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous observez aussi beaucoup avant de vous lancer dans une peinture. Quand vous observez Marianne, qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Pourquoi est-ce que dans votre émission, vous avez souhaité l'inviter elle? Parce que je pense qu'elle représente tout ce que j'aime de la France. Ah? Et ouais, c'est vrai. Les bons fromages, le vin rouge. On va tout savoir. Ouais. Moi, je suis arrivé ici dans les années 87 à Paris. Pour moi, c'est un moment, je n'aime pas être trop nostalgique, mais c'est un moment magique. Pour moi, c'était tout un découvert. Avant, quand j'ai habité à New York, tout ce que je connaissais, c'était la France, c'était tout ce que je voyais dans des magazines, des Vogue, ou des gens chics dans la rue. Quand je suis arrivé ici, je pensais que tout le monde était chic.
Non, mais c'est ce que je pensais dans ma tête, mais c'était pas ça. Après, j'ai commencé Après, tu m'as rencontré et tu t'es rendu compte que c'était pas le cas du tout. Oui. Non, et alors, après, j'ai commencé à connaître les Français, à connaître leur humeur, parce que c'était pas les mêmes humeurs que les humeurs américaines. C'est un autre type de choses. Et c'est ça que je me suis tombé amoureux, les France, la diversité des gens, et comme ils sont drôles, les gens ici. Ah bah Marianne, elle est drôle. C'est vrai qu'elle a souvent incarné des personnages drôles au cinéma. Après, ces rôles de Gigi, de Zézette, longtemps on vous a proposé des rôles comiques. Aujourd'hui, vous faites vraiment la part des choses entre le drame, le comique. Mais je crois que vous rêvez d'un grand rôle tragique, d'un Shakespeare peut-être. Oui. C'est vrai que vous savez, les acteurs, on est prétentieux, on a envie de tout jouer, on pense qu'on peut tout jouer, donc on est nourri par ça. Mais c'est compliqué, parce que les gens vous aiment d'une certaine manière. Et comme vous leur appartenez un petit peu quand vous avez fait des choses très populaires, comme moi j'ai fait avec mes amis du Splendide ici, c'est pas forcément évident d'aller et de leur proposer qu'ils acceptent quelque chose d'autre de vous, parce qu'ils aiment ce que vous leur apportez, qui est de l'ordre justement d'une forme d'insouciance qui est relié avec la jeunesse, avec le passé, une forme de légèreté, puis de rire que tout le monde recherche. If you ain't careful, life gon' pass you by. And early in the mornings, I look up to the sky. Merci John Wan. Merci beaucoup Valérie. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez revisionner l'émission consacrée à John Wan sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Merci. Merci.